Bien, hey, salut tout le monde. Bon, là, on se retrouve pour la capsule numéro 11 de Je restaure mon AMC Pacer. Ben oui. Non, non. Ça, c'est la même chose que j'avais dit dans le dessin. Bon, fait que là, côté, comment dire, avancer dans les trucs, là, j'ai pas fait grand-chose, là. Je travaillais, puis là, j'avais des affaires à faire pour l'école, en tout cas. Anyway, fait que ça traîne encore à terre. Oh, shit, une bouteille d'eau, là. Je sais même pas qu'est-ce que ça fait, là. Bien, ça traîne encore à terre. C'est toujours à vendre, hein, 50$. Puis même encore, là, je vous rajoute même un bonus à 50$. Checkez bien ça, là, je vais vous montrer. Allez, là. Bien. Ah oui, là, en passant, j'ai refait le ménage. C'est pas clean, mais c'est, comment dire, c'est moins bric-à-brac. Fait que, tu sais, j'ai tout mis ça là-dedans, les pièces dans MC, quoi qu'en même temps, j'en ai d'autres, là, qui sont un peu éparpillées partout pareil, là, tu sais. En tout cas, anyway, fait que, c'est... Drette ça qu'on a de besoin, là. Oh, excusez, là. Là, excusez, comme un tas d'outils, là, encore. C'est le même tas d'outils que dans l'autre vidéo. Bien, ouais. Fait que... Même encore, là, je suis tellement généreux, là, que... Ouais. À 50$, là, à 50 beaux gros dollars, là. Attendez, là, il veut pas sortir de la boîte, là. Bon, à 50$, là, je vous donne... C'était celle-là qui était ouverte, là. Parce que, ça, j'ai commandé ça... Mais je les ai jamais utilisés parce que j'ai commandé là le. Ils sont flambant neufs. Je les avais commandés pour en arrière, mais en arrière, c'est pas le même fitting. Mais fait que ceux-là, c'est ceux-là dans l'avant. Fait que ouais. Fait qu'à 50$ là, je vous donne ça en plus là. Les cylindres de roue là sont flambant neufs. Parce qu'en arrière, ils sont pas faits sur le même principe. Fait que ça faisait pas. Fait quoi, à 50$, vous avez ça en comment dire, en bonnie, là. Là, on va falloir que j'en mette ça dans la boîte. Fuck that, je le mettrai après ça. Bon, fait que c'est ça. Mais côté avancé, dans mes affaires, là. Attendez, là, je suis pogné là-dedans. Ah oui, toi, il est encore dans le chemin. Là. Bon, ah merde, on voit rien. Attendez, je vais mettre la lumière. Bon! Fait quoi, ouais, mais j'ai rien avancé pantoute, là, comme je l'ai dit, parce que je travaillais, whatever, puis toutes les autres affaires, là. En tout cas, mais, fait que j'suis au même stade, j'ai même pas commandé mes trucs, là, encore. Fait que, ouais, c'est pas mal tout pour ça. Fait que, ça va sûrement être une courte vidéo aujourd'hui, parce que je sais pas trop de quoi d'autre qu'on pourrait parler, là. À la limite, on pourrait défaire ça, même encore. Ça me tente pas ben, là, tu sais, je trouve ça un peu démotivant, là. L'hiver, là, c'est démotivant pour moi parce que, pour plusieurs raisons, là, mais en gros parce qu'il fait froid, puis là, ouais. Fait que, je me suis dit qu'à place, on va checker, vous souvenez-vous, là, de quand on a fait le ménage, là, hey boy, fait le ménage, mais c'est encore un bordel, ce bord, là. Bon, mais... Merde! Ma liste de livres, là. Fait que là, je me dis que je pourrais bien faire une vidéo là-dessus. Fait que... Le programme de protection de l'acheteur. Là, on va s'asseoir dans ma belle Catherine, là. Ah, ma belle Catherine, ben oui. Fait que là... Oups, excusez, je mets ma main devant la caméra. Aïe, aïe, il y a des moulures qui dépassent, là. Ben oui. Des pièces en trop. Bien, fait que là, je sais pas trop quand on va se setuper. Wow, hey, les sièges là-dedans, c'est mou. Bon. Que... Ouais. En gros, là, on va parler du Gremlin, du Hornet, pis du Pacer, mais en dessous, je me souviens qu'il y avait le Jeep JK8, là, fait que des photos de Gremlin... En 75, le Gremlin X.
La base du gremlin. Ça, c'est un gremlin de base. Aïe, aïe. Vraiment hot. Là. Je trouve ça hot. Là, le Hornet. Oh shit, c'est vrai. Hornet en 75, il avait changé de modèle. Fait que c'est plus le modèle comme que mon frère y avait. Pff, dommage. Là, on va voir le Pacer. Êtes-vous prêt pour le Pacer? Eh ben, je m'en attendais. Ben, oui. Bon, hey, là, ici, là, il doit bien avoir peut-être bien les amateurs de Jeep parmi ma chaîne YouTube, là. Le Jeep 81 Scrambler, qui est, en fait, comme le Jeep Gladiator, qui est aujourd'hui le nouveau modèle. Plein de monde sont là. Oh, c'est révolutionnaire, mais c'est pas révolutionnaire. OMC l'avait fait. Puis OMC, on va se le dire, c'est une compagnie à petit budget. Fait que OMC, il avait sorti en 81, ça, là. Tu sais, c'était eux autres qui avaient eu ces idées-là avec Jeep pis tout, parce que, il était avec Jeep, parce que, OMC, comme c'était une compagnie pauvre, c'était des restants, là. Fait que, ouais. Le même check. Ça, ici. Sauf que, aujourd'hui, le Gladiator, je sais pas, ils en font-tu des deux parts des Gladiators? J'en ai aucune idée, mais, mais c'est ça, eux autres, ils avaient fait ça deux portes, là. Tu sais, il y avait, c'était ça, là. T'avais des modèles, c'était des 258 que t'avais là-dedans, mais tu pouvais-tu avoir plus gros qu'un 258? Non, d'après moi, non, t'es pogné qu'un 258. Parce que je sais qu'il y a eu des Jeeps un temps, là. C'est les Jeeps Honcho, là, qui étaient des Jeeps G10, là. Là, en réalité, ça, c'est juste des affaires comme Trailer Towing ou, consommateur information, des cochonneries de même, là, émission, contrôle. Là. En tout cas, bon, fait que ça, c'était juste ça pour les images, là, ce qui va être très cool. Mais on va parler justement de tout ça, le Scrambler. Là. Bon. Fait que, je sais qu'il y a un temps qu'il avait fait des Jeeps J10, là, le modèle Honcho. Il n'avait avec des 401. Ben oui, avec des 401. Puis aussi, il y en avait eu aussi avec des 360. Il y en a eu, gros, avec des 360. D'ailleurs, mon ami Sylvain, là, celui qui avait le Eagle, que j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Il y en a un J4000 avec un 360, là. Je vais me mettre une photo au montage. Mais ouais, c'est ça, là, que, un beau J4000 bleu, là. Fait que, ouais. Mais c'est ça. Fait que ça, en réalité, là, c'est sur une, il dit, c'est une base de quoi? Psh. Les dimensions. Ok, ouais, tu peux genre avoir une boîte plus longue. Aïe, aïe, aïe. Bon. Non. Ben, fait que, ça va être sûrement une vidéo courte aujourd'hui, hein, parce que c'est ça, là. Y a pas rien de spectaculaire. Malheureusement, ce livre-là, il a pris l'eau. Ben, ce livre-là, c'était cartable-là, il a pris l'eau. Mais je l'ai encore. Fait qu'au moins, ça vaut la peine. Ça vaut la peine que je le garde. Puis ben, c'est ça. Ça va être pas mal tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, vous pouvez liker, commenter, vous abonner, partager. C'est comme vous voulez. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.